Mi o o que o o na mi na mi na o na na o o que o o na o o na mi na o o o na mi 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 na mi que o na 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 mi o na o que 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 mi na o. Konnichiwa les Kimishi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizon. Et aujourd'hui, eh bien, c'est parti pour du let's play sur mon île hémisphère sud. On a plein de choses à faire. On a Electro à accueillir, évidemment, nouvel arrivant sur mon île hémisphère sud. Je suis trop contente, on l'a récupéré, eh bien, hier soir sur ma chasse à l'habitant. Et franchement, j'étais vraiment très très contente. Bon, on n'a pas eu câlin, mais c'est pas grave. On a beaucoup de choses à faire. On va passer chez les sœurs Doigts de Fée. On va passer à la boutique Nook, on va faire le tour de l'île, on va offrir des cadeaux à qui on peut offrir des cadeaux. Enfin voilà, on va faire ma routine et en let's play tout ça. Et pour bien commencer évidemment cette vidéo comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà encore le cas, à mettre des petits pouces bleus et ouais, les petits pouces bleus pour me soutenir un maximum sur cette vidéo. Et évidemment n'oubliez pas la petite cloche, comme ça bien vous loupez pas mes vidéos et mes lives. Et sans plus tarder, et ben je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est parti. J'ai préparé des fossiles qu'on va faire expertiser et j'en garderai, et je vais offrir des fossiles aussi pour mes habitants sur cette île. Bon, on a un petit on a des clochettes. Donc sur mon autre île je les récupère pas, mais sur cette île là, bon bah voilà, je les récupère. Par contre je replante pas du tout. Je ne replante pas, eh bien, les arbres à clochettes. Je refais pas d'arbres à clochettes. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ok, on a la bouteille à la mer qui est juste là. On va se mettre sur le côté et on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, un chariot de marche. Ça me dit rien du tout. Ok, je connaissais déjà, c'est pas grave. On garde évidemment le petit fossile juste ici. Oh, il y a la ketchup qui est en train de... Il y a la ketchup, regardez, elle est en train de pêcher. Oh my god, il nous faut du papier cadeau. De toute façon, on peut rien offrir pour l'instant. Ce que je peux faire, c'est juste aller lui parler. Sachez que parler à juste à votre habitant, eh bien, ça fait gagner un point. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Bon, la canne à pêche, Ziva, pêche-moi des poissons, j'attends. Regardez la tête qu'elle fait. Oh my god, je vous fais un zoom parce que sa tête, elle est trop rigolote. Elle est trop rigolote. Oh, il y a Savannah. Oh my god, attendez, on parle à Savannah. Tiens, hello Wimboé. Oh là là, j'aimerais bien... Faut absolument changer. Faut plus qu'elle dise Wimboé, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Allez, parle-moi d'un truc. Ok, la météo, blablabla. Encore? Que puis-je faire pour toi, Wimboé? Oh non, Wimboé, c'est claqué au sol. C'est claqué au sol. On papote. Je trépigne de patience. Je ne cesse de penser au feu d'artifice de demain. Ah ouais, c'est vrai que c'est beau les feux d'artifice, je suis d'accord. Oh, j'adore les feux d'artifice. Ils sont un peu comme les fleurs de feu dans la nuit. Waouh. Oh, c'est beau ce qu'elle vient de dire. Avec les étoiles, comme toile de fond, je ne peux pas m'imaginer quoi que ce soit de plus beau. Oh my god. Et hey, franchement, elle claque, Savannah. Elle claque, ça me rappelle le très bon souvenir. C'est une petite robe que je vais vous offrir, ça. Oh purée, regardez-moi ça. Elle est cute, hein. Elle est très 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 mignonne. Je vais vous faire plein de robes. À mon avis, elle va nous faire un petit défilé et elle va nous montrer un petit peu tout ce qu'elle avait. Regardez-moi ça. Elles sont copines. Oh, les tututes. Je peux peut-être pas passer par là maintenant, du coup, comme elles sont en train de blablater. Bon, bah, c'est pas grave, on va passer par l'autre côté. Oh, bah, regardez, ça tombe bien. Il y a un fossile juste ici que j'avais pas vu. On va le déterrer, évidemment, tout de suite. On va aussi chez les maïs Nook Plus, je crois, qui... Allez, ok, le fossile. Alors, attendez, les Miles Nook Plus. D'ailleurs, si vous vous posez la question, comment gagner beaucoup de Miles Nook, eh bien, c'est plutôt facile. Il suffit tout simplement de faire toutes les quêtes des Miles. Des Miles Nook. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de tuto particulier. C'est juste que tous les jours, je vous montre, vous allez là, vous allez dans les Miles Plus et tous les jours, eh bien, vous faites ce qui est écrit. Donc là, voilà, il faut attraper des flocons. Ensuite, ici, eh bien, il faut couper du bois. Ici, ça, c'est quoi? Planter des arbres. C'est tout simple, hein. C'est juste écrit. Il faut juste suivre, tout simplement. Et plus vous faites des quêtes et plus vous allez cumuler un maximum de Miles Nook. Et regardez, vous avez x2, x2, et des fois, il y a des x5. Donc, ça vaut vraiment le coup. Remonter une créature marine, c'est quand même super facile.
vendre des coquillages. Vous ramassez tous les coquillages que vous avez sur vos plages et vous allez les vendre à Amélie Mello. Et franchement, c'est méga facile. C'est vraiment très très facile. Hein. Bon. Oh, il y a un fossile juste ici. On va le récupérer aussi. Hein. Ok, petit fossile ici aussi. Évidemment, on va le récupérer. Plus j'ai de fossiles, mieux c'est, évidemment. Ok, bah oui, on a Kéké sur la place, on est samedi. Enfin, on a Miles et Faustine qui sont en train d'écouter Kéké chanter, c'est cool. Ok, eh bien, je suis passée chez Thibaut, j'ai fait expertiser tous les fossiles que j'avais sur moi. Il n'y en a aucun, eh bien, qu'il me manquait pour le musée. Voilà, j'ai acheté du papier cadeau chez les petits nains. J'ai également trouvé ça, c'est pas mal, un baril de pétrole. Un baril de pétrole, je vous montre à quoi il ressemble. Voilà, je trouvais qu'il était pas mal du tout. Je pense que je vais le mettre au niveau de la plage de Rounard. Voilà, je pense que ça va... C'est cool, je trouve que ça va bien dans le thème. Enfin voilà, pour vous montrer un petit peu mes achats, je suis pas encore passée chez les sœurs Doigts de Fée, donc on va le faire ensemble. Allez, c'est parti. J'espère que ça va être cool et qu'on va pouvoir faire un gros shopping. Oh my god, regardez ce que je vois. Oh, j'adore. Il y a la veste de rappeur. La veste de rappeur, c'est très simple. Je vais l'acheter pour tous les garçons et ça va être trop drôle. Ça va être trop drôle. Franchement, je trouve qu'elle claque de ouf. C'est stylé, c'est méga stylé. Allez. Ah ouais, je suis trop contente. Je vais acheter les vestes de rappeur, ça c'est clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? Oh, ouais, c'est beau ça, dis donc. Oh my god, je t'adore. Parka en polaire. Oh my god, je suis méga fan. Ça, oh ouais, dans toutes les couleurs. Je vais prendre toutes les couleurs. Qu'est-ce que c'est que ce petit short là? Qu'est-ce que c'est que ça? Un short en tissu éponge. Ouais, ouais, c'est pas mal. Bon, moi, je préfère quand même la petite robe comme ça, la parka en polaire. Super jolie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, ça peut être pas mal pour mes habitantes. Hein. La robe de fée que j'aime énormément. Je vais la prendre pour les habitantes. Et bon, bah voilà, je fais tout mon shopping et je vous retrouve juste après. Allez, voilà, j'ai fait mon petit shopping. On le refera une prochaine fois dans une prochaine vidéo Let's Play sur mon île hémisphère sud. Eh bien, les blousons de rappeur, les petites robes et tout, on les offrira, leur offrirons plus tard. Et voilà, j'ai emballé, eh bien, les fossiles que je vais leur offrir. Et c'est parti pour la tournée, eh bien, de cadeaux à mes habitants. Alors, Miles, il n'est pas chez lui. On avait dit... oh, regardez Savannah. Oh, je vous l'ai dit, elle est géniale. Elle fait que ça. Oh, elle chante. Elle s'est arrêtée de chanter quand je suis arrivée. Oh, bon, allez, on la dérange. Comment tu vas depuis tout à l'heure? Ah, je peux pas encore lui offrir. C'est vrai, je peux pas encore lui offrir. Mais vous allez voir, elle est géniale ici. Elle fait que chanter, danser et tout. Elle met l'ambiance de ouf. Oh, elle claque. Bon, le baril, je sais pas où on va le mettre, le baril. Est-ce que... on peut peut-être le mettre à la place d'une torche. Ou peut-être ici. Je sais pas s'il passe ici le baril. On va essayer. Alors, le baril. Hop là. Ah ouais, il passe. Je peux pas le pousser plus. On va le mettre comme ça. Allez, pour l'instant, on va le placer comme ça. C'est cool. Allez, on continue notre tournée de cadeaux aux habitants. Faustine. Est-ce qu'elle est chez elle? Non, Faustine, elle n'est pas chez elle. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me posait la question. Comment tu fais pour voir si les habitants, eh bien, ils sont chez eux? Alors, il y a plusieurs façons de voir. S'il y a de la fumée qui sort de la cheminée, eh bien, c'est qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Si le rideau, il est tiré également. Et s'il y a juste la petite lumière de devant de la porte qui est allumée, eh bien, c'est que l'habitant est là, mais il est en train de dormir. Bon. Elle n'est pas là, Toto, il n'est pas là de toute façon, Toto, on s'en fout, on lui offre... Ah bah il est là, Toto. On s'en fout, Toto, on lui offre rien. Remarquez, il faudrait que je fasse attention, il faudrait que je vois de quel type il est, Toto, pour au moins lui gratter les mimiques. En tout cas, Coco, elle n'est pas chez elle.
ketchup, oh my god, ketchup non plus. Il y a personne, ils sont de sortie, je pense. On va passer de l'autre côté, voir du côté de Gertrude et tout ça. Ok, on est devant chez Gertrude. Gertrude n'est pas là non plus. Oh, Kabuki, il est chez lui, Kabuki. Regardez, le rideau, il est tiré. Et on a de la fumée qui sort de sa cheminée. Allez, go voir Kabuki. Ok, génial. Il est en train de craft. C'est parfait. Et fais gaffe à ce que tu fais, Shibikibi. J'ai pas envie de tout recommencer. Oh my god. Quel ronçonçon. Direct depuis dès le matin, quoi. Tu fais quoi? Enfin, c'est plus le matin, il est 14h quand même. Hein. Un mur bois sauvage. Allez, envoie. Allez, donne. Donne-moi, je récupère tous les plans. Allez, montre-moi. Je vais te noter les instructions. Genre, il va me noter les instructions. N'importe quoi. N'importe quoi, Kabuki. Allez. T'avais un truc à me demander? Tiens, voilà pour toi. Ah, tu veux m'offrir quelque chose? Oh my god, j'ai l'impression d'entendre Octave. J'ai l'impression d'entendre Octave. Allez, on va lui donner le premier. Oh, oh, une queue d'archélon. Les fossiles, c'est n'importe quoi. Et heureusement, ils les exposent pas chez eux. Mais ça serait n'importe quoi. Oh là, ça serait n'importe quoi. J'ai beaucoup de respect pour tout ce qui est ancien. Bah oui, c'est normal, c'est un vieux. Une veste de pêche. Ok, c'est un peu claqué au sol. Mais bon, c'est pas grave, je prends quand même. Ici, de toute façon, sur cette île-là, eh bien, j'ai pas grand-chose. Donc, je prends tout ce qu'on me donne. Regardez-moi cette tête-là. Regardez-moi cette petite tête. Allez. Salut! Allez, on continue. Oh my god! Regardez ça! Oh, il y a ketchup, j'ai vu qu'il y avait ketchup. C'est la maison d'Electro! Oh purée, je suis trop contente. Elle est belle, sa maison! Oh, elle claque, ça y est, je sais déjà ce que je vais lui faire comme déco. Ça y est, il va falloir que je trouve un petit sol bien sympathique. Mais voilà, et regardez, il est à côté de chez Ninjet. Il y a moyen que j'ouvre un petit peu par là pour qu'il y ait un jardin en commun. Allez, on va voir la ketchup. J'ai une trop bonne idée, j'ai décidé que j'allais passer une super journée, plouf. Oh, il faut plus qu'elle dise plouf, hein. J'aime pas du tout. Hein. J'aime pas du tout, plouf. Allez, ça te ferait plaisir. Oh, qu'est-ce que c'est? Bah tiens. Allez. C'est cadeau, ma cocotte. Oh, mystère. Bon, allez, fais pas ton truc. Allez. Oh, un crâne de tyrannosaure. Par mon fan club, c'est un truc de ouf. T'es sûre que tu veux me le donner? Oh, bien sûr. J'aime pas être la seule. Qu'est-ce qu'elle me donne? Un sweatshirt. Ok, je prends tous les cadeaux. Hein, je prends tous les cadeaux. Oh, ok, c'est cool. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va voir Electro? Moi, j'ai envie de voir... On va peut-être pas bien voir l'intérieur de sa maison. Allez, on va le voir quand même. Oh my god, je suis trop contente. Oh, il est là, le Electro! Ça fait bizarre quand même. Je suis trop contente. Oh là là, il a la petite veste comme ça de dragon. Oh purée, je sens que ça va être pas mal chez lui. En tout cas, déjà, moi, j'adore l'extérieur de sa maison. Le tapis, c'est quoi? Ah, c'est des têtes de mort! C'est des têtes de mort, c'est le seul tête de mort. Oh, purée. Bon, on lui parle hein, quand même. Tiens, mais c'est Shibikibi, tu me remets? C'est moi, Electro. Bah, évidemment que je te remets. Quelle question! Je tenais à te remercier, grâce à toi, je suis là. Et je dois avouer que le coin est vraiment pas mal. J'ai hâte d'entendre ce que tu as raconté, mais avant ça, j'ai encore des cartons à déballer. Oh purée, il est cute quand même. Regardez-moi ça, franchement, son éclair sur la tête, ça claque de ouf. Hein. En fait, c'est ses cheveux, je crois, ou j'en sais rien. Enfin bref, je sais pas. En tout cas, je trouve qu'il est méga stylé. Hein. Il claque de ouf. Hein. Il est trop, trop mimi. Il est trop joli. Je reparle. Plus on vieillit, plus on accumule de choses. Tu veux bien revenir un peu plus tard, le temps que je mette un peu d'ordre dans tout ce bazar. Mais oui, allez, je laisse tranquille, je l'embête pas. Allez, salut!
Bon, eh bien, c'est parti. Maintenant, on a vu comment c'était chez Kabuki, n'importe quoi. N'importe quoi. On a vu comment c'était chez Electro. Il faut qu'on continue notre tournée, eh bien, des cadeaux. On va passer par ici. Bon, bah, ça va là, on peut pas lui donner, évidemment, c'est normal. Là, ça fait pas longtemps qu'elle est arrivée sur l'île. Oh my god, regardez. On a Coco et Linjet. Regardez, elle boit son petit. Elle boit sa petite soupe chaude. On discute enfin ensemble. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai parlé hier soir. Tu m'as vraiment manqué. Mais alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit des bêtises. Je vais parler hier soir. Ça roule? T'es venu me demander conseil fashion, c'est ça? Non, pas du tout. Tiens, c'est pour toi. Un bassin de brochiosaure. Oh purée, je vous le dis, hein, mais heureusement qu'ils les exposent pas chez eux parce que ça serait vraiment un bazar total. Hein. Oh, ça serait une horreur. Bon, qu'est-ce qu'elle me donne en échange? Un débardeur de basketball. Ok, et bah vas-y, envoie-moi ton débardeur. Ok, salut, allez, coucou. Oh, ça pourrait te construire, comment tu vas? Tiens, je crois que j'avais justement quelque chose à te dire. Mince, impossible de me souvenir. Bah, ça me reviendra plus tard, Touloulou. Oh, par contre, elle, j'aime bien quand elle dit Touloulou, c'est trop cute. Attends, je vais te donner un cadeau. Oh, tu voulais me voir, Touloulou? Ah oui, tiens, c'est pour toi ça, ma petite Coco. Allez, tiens, je sais pas ce que c'est. C'est un fossile, je sais pas ce que c'est, mais voilà, on va voir ce que c'est. Allez, ouvre. Un crâne de mammouth. Un crâne de mammouth. Oh my god, c'est drôle. C'est un très beau spécimen. Merci beaucoup, Touloulou. Comme ça, je vous explique ma petite technique. Un uniforme administratif. Ok, c'est claqué au sol, mais c'est pas grave. Je prends quand même. Je vous explique un petit peu ma stratégie. On va s'écarter parce que la musique, elle était hyper forte. Je sais pas si vous l'avez trouvé très très fort, mais je l'avais trouvé super forte. Bref, c'est ma petite stratégie. Ce que je veux absolument, c'est gagner un maximum de points d'amitié direct avec tous les habitants de cette île-là. Comme ça, je récupère toutes les mimiques et toutes les photos direct. Bon, c'est qu'on peut croiser d'autres. Je sais que tout à l'heure, eh bien sur la place, il y avait Miles et la Faustine. Purée, ils sont encore là. Ils sont encore là en train d'écouter Kéké. Oh my god. Le samedi, c'est toujours compliqué. Hein. Le samedi, c'est toujours compliqué de leur offrir des cadeaux. Alors attendez, on va faire un petit point. On va regarder la carte. Attendez, les Miles Nook. Plus, je crois même. Non. Alors, hop, ok. Qu'est-ce que c'était ça? Perce oseille. Ok, c'est pour des achats. 1000! Oh my god, je récupère 1000 Miles Nook. C'est énorme. C'est énormissime. Ok, attendez, il y avait autre chose là, non? Attendez, il y avait autre chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que je n'ai pas vu? Oh, amitié florissante. Ok, ça c'est parce que j'ai parlé à mes habitants. 500. Magnifique. Bah, je crois que c'est tout. On est tout bon. Allez, ce que je voulais voir, c'était la carte de mon île. Et faire un petit point. Bon, Coco, on lui a donné. Nidjet aussi. Ketchup aussi. Faustine, évidemment, elle est sur la place en train de discuter. Kabuki, eh bien, on lui a donné. Electro, on peut pas lui donner. Savannah, on peut pas lui donner. Miles, il est sur la place en train, eh bien, de dégoûter Kéké, chanter. La Gertrude, on n'a pas trouvé la Gertrude. Il faut qu'on trouve la Gertrude. Voilà. Et puis, bah, Toto, il est puni. Il n'a pas le droit de cadeau. Il n'a pas le droit à deux cadeaux. De toute façon, je ne l'aime pas. Donc, voilà. Je suis désolée pour tous ceux qui aiment bien Toto. Eh bien, moi, je ne l'aime pas et il n'a pas de cadeau. Allez, salut. J'ai trouvé la Gertrude. Regardez-moi ça. Elle est au musée. Allez. Hello, Chibi-Kibi. T'es là pour mater un truc en particulier? Patouche. Oh, Patouche aussi. C'est claqué au sol. Il faut absolument que je gagne en amitié avec eux pour pouvoir leur faire changer ça. Parce que franchement, ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je veux? Je veux voir. Alors, tiens. Un Acanto. Tostega. Oh là, je sais pas si je l'ai bien dit. C'est dur à prononcer des fois. Hein. Si on m'avait dit un jour, on m'offrirait ce fossile. Merci. Oh, elle est contente. Hein. Boum. Échange de cadeaux. Tiens, un trench coat en simili-cuir. Ok. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Mais c'est pas grave, je prends quand même. Bon, oui, mon musée, il est assez vide. Mais en même temps, voilà, je vais pas rush deux musées. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai deux îles. Et sur cette île-là, eh bien, j'ai quand même moins de choses. Je rush beaucoup moins sur cette île-là.
Ok, la Gertrude, eh bien, c'est fait. En vrai, il manque plus que Miles et Faustine. Mais voilà, c'est un petit peu embêtant. Ils sont sur la place en train d'écouter Kéké chanter. On va aller voir encore, vérifier une fois. Autrement, je quitterai le jeu et je vais sauvegarder comme ça. Eh bien, ça va replacer. Ouais, ils sont encore ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Et je vais quitter et revenir dans le jeu comme ça. Eh bien, ça va les replacer. Oh, ça y est, il s'est levé, Miles. Je vais pouvoir lui offrir. Allez, coucou toi. Alors, hop, voilà pour toi. On va s'épêcher, c'est bruyant les cascades. Allez, ouvre. Voilà, c'est beau la vue là, je sais pas si vous voyez, avec les fleurs, les roses dorées et tout, c'est trop joli. Un ambre, comme c'est gentil. Regardez ses yeux. Waouh, merci tout plein Chibikibi. À mon tour de te faire quelque chose. Tu veux joker. Bon. On va dire quand même que j'ai l'habitude d'avoir des cadeaux claqués au sol. Mais je pense qu'on a tous des cadeaux claqués au sol. Hein. Je pense qu'à mon avis, c'est pareil pour tout le monde. Allez, c'est parfait. Maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à trouver Faustine. Il faut qu'on trouve Faustine maintenant. Hein. Oh, regardez-moi ça, la savana, comme elle est belle avec sa robe. C'est une robe que je lui avais offerte. Oh, elle est trop jolie. Oh my god. Non, elle est vraiment très très belle. Elle est très très belle, ça lui va trop bien. Bon, Faustine, est-ce qu'elle est peut-être chez elle, Faustine? On va aller voir ça. J'espère qu'elle est chez elle. Oh yes, elle est juste ici. Elle est en train de faire son petit sport. Regardez-la, elle est en train de faire son petit sport. Vous allez voir, hein, les haltères, elle les soulève hyper vite. Ça gaze. Ouais, ça gaze. Alors, vas-y. Ok, bon, blablabli, blablabla. Je vais même pas regarder ce qu'elle m'a raconté. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai, elle parle exactement comme comme Gertrude. Bah oui, elles sont grandes sœurs toutes les deux. Et bah tiens, c'est un cadeau pour toi. Super, c'est quoi? Et bah ouvre. Un corps de Brontotherium. Oh, si on m'avait dit qu'un jour blablabla, oui bon, elle me dit exactement la même chose, c'est normal, elles ont la même personnalité. Boum. Qu'est-ce que c'est? Une veste décontractée. Ok, magnifique, c'est la veste décontractée, si je dis pas de bêtises, c'est ce que j'avais offert, j'avais une misclic et j'avais offert ça à Laura. Bon, je pense qu'on a fini de faire le tour, hein. Il m'en reste 3, mais les 3 en vrai c'était pour Toto, Electro et Savannah. Voilà, en vrai pour Electro et Savannah particulièrement. Mais bon, je ne vais pas encore leur offrir de cadeaux. Et Toto, bah Toto il est puni parce que je l'aime pas trop. Donc voilà, il n'a pas le droit d'avoir de cadeaux. Mais bon, je vais quand même vérifier de quel type il est pour être vraiment sûr. Parce que ce que j'aimerais bien quand même, c'est récupérer, s'il y a des mimiques que je n'ai pas, eh bien, il faut absolument que je récupère, eh bien, les mimiques, ces mimiques spécifiques, comme ça, eh bien, après, eh bien, je serais très contente qu'ils s'en aillent tout de suite. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo Let's Play sur mon île Hémisphère Sud. En tout cas, un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me mettre des petits pouces bleus pour me soutenir un maximum. Et moi, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo ou sur un live. Des bisous, les kibichis! Oh, 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 oh